Selon le schéma directeur de la région parisienne, Cergy doit être l'une des 5 villes nouvelles qui vont encadrer la capitale pour, dit-on, la sauver de l'étouffement et de la paralysie. Située dans le grand amphithéâtre qui entoure la première boucle de l'Oise, la ville nouvelle, 1500 habitants en septembre prochain, 450 000 à la fin du siècle. Cité Clapier ou ville à part entière, que sera Cergy? C'est vraiment notre objectif numéro un, ne pas faire une cité dortoir. Et c'est pas simplement une parole verbale. On a freiné la construction des logements en attendant qu'on ait les emplois et les équipements. Et avant de commencer les logements, il y a 80 hectares de zones d'activité qui sont déjà attribués à des industriels et 2 usines, dont une représente 700 emplois, sera ouverte au printemps prochain. Voilà le centre nerveux, la tête pensante de la ville nouvelle, la mission d'aménagement que dirige M. Hirsch. Ce sont les pionniers, ingénieurs, sociologues, urbanistes, architectes. Ils font sortir de leur plan la ville nouvelle. Tête de pont, la préfecture, construction futuriste, mariage, béton, verre, acier, et tout autour de la préfecture va s'édifier la première tranche du programme. L'école d'architecture est déjà ouverte en attendant la construction de l'école définitive. En 1972, l'école supérieure des sciences économiques pourra accueillir 1000 étudiants. Dans le même temps, suivront un centre commercial, un centre hospitalier, tandis que s'installeront bureaux, banques et industries. En un quart de siècle, 150 000 emplois seront créés. Dès septembre prochain, 2 usines seront mises en service, une d'électronique, une de fabrication d'emballage, 950 emplois. Au total, 16 sociétés ont déjà décidé de s'implanter à Cergy. Les 1500 premiers habitants travailleront donc sur place. Par le raccordement au réseau express régional, ils pourront se rendre à Paris. Mais à Cergy, les loisirs ne leur feront pas défaut. L'été, sur le plan d'eau, aménagé dans la boucle de l'Oise, natation, voile, canotage, l'hiver, piscine, patinoire, dancing et cinéma, ils sont déjà ouverts, exemple sans précédent où l'implantation des distractions précède l'installation des habitants. Non seulement ces cinémas marchent, mais ils marchent bien. Et en particulier le samedi soir, on vient de tous les environs dans ces cinémas de la ville nouvelle. Comment vient-on habiter à Cergy? On viendra habiter à Cergy comme on vient dans n'importe quelle ville. La seule condition, priorité aux gens qui travaillent sur place. Quels seront les types de logements offerts? Il y aura tout, parce que pour nous, la ville, c'est le choix. C'est un faux problème de dire est-ce qu'il vaut mieux de l'individuel ou des appartements. Il faut que les gens puissent choisir. Vous aurez des appartements, des pavillons, aussi bien HLM qu'en accession à la propriété. Il faut vraiment qu'il y ait le plus grand éventail possible. 400 000 habitants en l'an 2000, peut-être. À mi-chemin entre Alphaville ou Brasilia, que sera Cergy? Ni Alphaville, ni Brasilia, mais une véritable ville. Et avant d'avoir 400 000 habitants, nous, notre objectif, c'est en 1975 d'en avoir 30 000 et 30 000 qui soient heureux de vivre et qui disposent de tout ce qui est nécessaire à la vie d'aujourd'hui.